Salut tout le monde, ici Capitaine Flamme. On se retrouve après plusieurs mois d'absence sur le jeu, donc hein, je reviens sur GT Sport un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer mon setup sur le mode sport avec la nouvelle épreuve, donc le contre-la-montre. Hein, voilà. Donc je vous fais voir le setup sur le circuit Laguna Seca avec la Mégane Trophy. Voilà, donc moi j'ai fait un temps d'une 26 816, une classe 61e mondiale. Voilà. Donc je vous fais voir mon setup et après une petite vidéo sur la course. Voilà, sur le tour. À tout à l'heure. Donc je vous lance la vidéo donc du contre-la-montre sur Laguna Seca avec la Mégane Trophy. Pour le setup de la Mégane Trophy 11 pour le circuit Laguna Seca. Donc en ce qui concerne voilà, le freinage, je mets le freinage sur l'avant, moins 3. Voilà. Attends, je vais me mettre comme ça pour. Voilà. En ce qui concerne la hauteur de caisse, donc assez haut, étant donné que le circuit est quand même pas mal bosselé avec des dénivelés importants, donc 80 à l'avant et 90 à l'arrière, hein, voilà, pour avoir quand même une bonne stabilité. En ce qui concerne la fréquence naturelle, donc plutôt souple, 2,55 à l'avant, 2,65 à l'arrière, hein, voilà. Pas trop souple non plus, hein, 2,55 c'est bien, sinon hein, si vous la mettez trop souple, évidemment, vous aurez une impression d'une bonne maniabilité au niveau de la caisse, mais vous aurez un peu d'instabilité. Donc il faut quand même une certaine dureté pour avoir de la précision, hein. Voilà, donc 2,55 c'est un bon compromis, je trouve, et 2,65 à l'arrière. En ce qui concerne la barre anti-roulis, donc 8 à l'avant, 8 à l'arrière. Hein, voilà, là, mettez pas trop dur. Là, je trouve que c'est vraiment le maximum hein, sur ce circuit. Voilà, si vous la mettez trop dur, vous aurez un peu de sous-virage à l'avant. Si vous la mettez à 10, et également pareil. À l'arrière, si vous la mettez à 10, vous aurez du sur-virage. Donc, évitez. Vous pouvez même rouler voilà, hein, à 7, voire 6 à l'avant et pareil à l'arrière. Hein. J'ai fait des essais, moi, il me semble, c'était à 7-6, hein, c'est pas mal aussi. Voilà. Enfin, moi j'étais 8-8, là c'était vraiment bien, je trouve. En ce qui concerne l'amortissement, donc compression, voilà, donc une compression plutôt faible. Hein, voilà, le circuit est bosselé, donc rien ne sert d'avoir des suspensions dures. Hein. Donc 51 à l'avant, 51 à l'arrière. Au niveau donc du taux d'amortissement au niveau du rebond. Donc pareil, hein, 90 à l'avant, 89 à l'arrière. Hein, voilà, pour être bien souple. Hein, donc c'est 51-90, 51-89. Voilà. Donc on a vraiment une suspension souple comme ça. Voilà, pour les terrains bosselés, c'est parfait. Angle de carrossage, donc 0,2 à l'avant, 1,1 à l'arrière. Hein, ça c'est pareil. Vous pouvez mettre un peu plus, hein, mettre jusqu'à 1,5, ça marche très bien aussi. Vous aurez un peu plus de grip dans les virages en mettant un peu plus de carrossage.
Par contre, voilà, hein, vous serez un peu plus lent dans les virages. Voilà, c'est pour ce jeu. Il cherche quelques dixièmes à gratter. Voilà. Hein. Donc, moi, j'avais mis 0,2. Voilà. Donc, 1 à l'arrière. Après, au niveau de l'alignement, hein, pour avoir du grip, hein, quand même, pas être trop embêté. Voilà, moins 0,30. Hein, voilà, donc pour les entrées en virage, voilà, il y a un bon grip. Au niveau des pneus, c'est parfait. Et plus 0,30 à l'arrière pour la stabilité, pour pas être embêté et ne pas avoir de survirage, notamment. Donc là, c'est nickel. Ce qui concerne l'appui, moi je n'ai pas touché à l'appui, j'ai laissé à fond. Hein. Donc petit circuit, donc assez technique. Rien ne sert de baisser l'appui pour gagner de la vitesse. Hein. Vous ne gagnerez rien du tout, comme ceci. Donc vous laissez à fond et privilégiez la stabilité de la caisse. Voilà. Au niveau du DGL, donc 28. Niveau du couple, 28 niveau d'accélération et 18 au niveau du frein. Ça après vous pouvez voir, hein, si vous voyez qu'elle est un peu trop nerveuse, niveau du couple et l'accélération, vous pouvez baisser. Hein. Vous verrez, ainsi que le frein, si vous voyez que c'est trop incisif à 18, mettez-le, mettons, à 30, voilà, ou si vous trouvez que ce n'est pas assez incisif au niveau du freinage, mettez-le à 5. Voilà. Ça après tout dépend de comment les gens freinent. Moi je freine avec carré personnellement. Voilà. Donc au niveau de la boîte, donc on va la. Donc c'est une boîte qui était par défaut. Vous mettez votre vitesse finale donc tout à droite, il me semble, c'était comme ça que je l'avais fait. Donc c'est à 6000, je crois, si je me rappelle bien. Après, vous mettez votre vitesse max tout à gauche, donc à 200. Voilà. Et après, vous mettez. Voilà, les rapports comme ceci, hein, 76, ça me donne pour la première, la deuxième 105, la troisième 132, 156 pour la 4, 181 et 221. Voilà. Donc voilà, une bonne voiture, hein, déjà je l'aime énormément cette caisse. Hein. Je vous l'avais proposé d'ailleurs déjà sur ma page YouTube. Hein, voilà, donc c'est sensiblement le même réglage. Hein. Adapté un petit peu pour la Gonesse SK, quoi, au niveau des taux d'amortissement et tout. Voilà. Donc, j'espère que ce setup vous plaira. Et puis, voilà. J'espère que vous pourrez améliorer ainsi votre chrono aussi par la même occasion. Allez, salut tout le monde et puis à bientôt. Bye!